C'est une soirée particulière pour Gilles et sa famille qui reçoivent leur ami Slash. L'ancien guitariste des Guns N' Roses est venu donner un concert à Paris et il vient toujours dîner au restaurant. J'ai noté, merci. Alors ce soir, on reçoit une célébrité qui est Slash, un guitariste connu et ami de Madame et Monsieur Épier. Donc, il a pour habitude qu'on lui attribue une table ronde dans le coin du restaurant parce que, comme c'est un groupe de musique, ils sont assez nombreux. Et ce qui permet au chef d'être en contact un peu direct car la table est proche de la cuisine. Donc comme ça, il peut un peu sortir de la cuisine et aller voir directement aussi son ami. Slash, en fait, c'est un ami à mon père de Los Angeles. Il venait souvent à la maison quand il s'engueulait avec sa femme. Et puis il faisait mon père, je faisais la cuisine pendant que lui s'entraînait la guitare. Et puis comme ils habitaient pas si loin l'un de l'autre, finalement ils se voyaient assez régulièrement. Et dès qu'il fait un concert comme demain soir au Zénith, et ben il passe toujours au Citrus manger ce que fait mon père. Donc ça fait toujours plaisir de venir voir la famille Épier. Je connais pas qui vient manger ce soir. J'ai jamais entendu parler. Tu connais les Guns N' Roses? Peut-être de nom, mais c'est pas vraiment. C'est pas mon style de musique, je pense. Ouais, tu vas voir. Ça va? You guys, I'm not gonna do the table for you. So, how are you? I'm sorry. Thanks. Toujours gentil de leur parler avant de venir nous voir. Bon, eux d'abord, ils sont attirés comme tout le monde par l'estomac. C'est l'estomac qui les ramène. Parce que ces gars-là, dans les bus et tout ça, et quand ils sont dans les concerts, ils mangent très très mal. Ils mangent souvent des pâtes parce que ça leur permet de tenir la distance. Et puis après, il y a une relation d'amitié évidemment qu'on a avec eux qui est exceptionnelle. It was my first experience hanging out with somebody who was a four-star chef, you know. And so I used to hang out in the kitchen and watch him prepare all the meals, and I was just fascinated by it. And sometimes you play your guitar? Yeah, I play the guitar, I hang out, we get drunk, you know. I think probably one of the reasons that I love hanging out with Gilles so much is because he's got a great sense of humor. But he's a good guy to just sort of hang out with. He's very easygoing. He's very pleasant to talk to. You know, we used to talk about wine a lot and drink a lot of wine, and smoke a lot of cigarettes. But he was great in the kitchen because he knew all his food so well. In one way, he was just an everyday guy, and on the other hand, he's this really, really talented chef that has a lot of passion for his ingredients and into the preparation of his meals and stuff. So we would have these. Like what would be an expensive dinner in a restaurant just on a weekend over at their house, and he would put it all together, and then the display between the two of them, the presentation was amazing. And this is just hanging around the house. So anyway, we just always had a good time. So I mean, I could tell stories for days. Daddy got you a present. What? Are you gonna like this one? That's really nice. Thank you. Cool, huh? That means no. Okay. Champagne. Yeah, I'm fine. Ça, c'est comme la famille, quoi. C'est pareil, il n'y a pas de différence entre, voilà, entre ses enfants, les miens, tout le monde se connaît, tout ça. Donc... Slash loves his t-shirt. He loves his t-shirt. Yeah. He's getting away too much. Oh, it's Chef Conan. Chef Conan. À chaque fois, quand il vient, il passe en cuisine, mais c'est tellement, je sais pas comment expliquer, c'est tellement un monument parce qu'on dirait vraiment qu'il fait partie d'une autre planète. Que bah, tout le monde évidemment est intimidé et c'est surtout la curiosité qui gagne quoi, parce que c'est quelqu'un qui est quand même vachement imposant. Did they just come today? Today? Yeah. Every morning. Every morning? Yeah. Alright, so
I see you. Sorry, I see you for the first time. Ah, yeah, it's good to see you. You know what? C'est cool quand Slash il est là avec toute la bande, mais n'importe quand c'était tous les amis de moi, quand ils viennent de Californie ou New York, juste quand ils viennent des States, ouais, normalement j'ai passé un bon moment. C'est cool pour moi. C'est comme je suis à Californie. À Californie. Mmh. C'est comme je suis à chez moi. Ça sort chez moi, ça. Ok. You guys, look, here's the foie gras in there. Je suis sûr qu'il est prendre le carré d'agneau, Slash. Ah, il adore le carré d'agneau. Est-ce qu'il ramène plus de la purée pour tout le monde? I don't know what they're called, the jelly things. C'est la pâte de fruits. I'm going to try it, make sure it's good. Oh, chef, that's so good. La soirée s'est parfaitement déroulée. À la sortie, les fans sont là pour obtenir des autographes. Au revoir. Oh, it's Philip. Do you remember Slash? Last time he's the one, he was hanging outside of your hotel. And then you sign on the CD? Did you make that? Thank you very much. Cheers. Bye, I'm gonna see you tomorrow. Are you, she'll take you to the Crazy Horse? No? You're gonna be a good boy? Bye, guys. Fin de soirée entre copains et sans caméra. Après une petite nuit, Gilles et Pied part ce matin au marché pour faire des courses un peu spéciales. Sa mission du jour, rapporter des produits typiquement français à son ami Slash. J'achète pour Slash et tous les amis américains qui viennent en général. Bon, Slash vient, en fait, Slash vient très souvent à Paris. Hein, chaque fois qu'il vient, même pour des conférences de presse, etc., pour les magazines et de musique, il vient toujours nous voir. Donc régulièrement, je fais un petit panier, il part avec des choses qu'il peut emmener aux États-Unis, mais comme on ne peut pas traverser l'immigration avec la nourriture, à moins que ce soit dans les boîtes de conserve. Bon, en général, il consomme ça avant, ou alors il emmène, c'est du foie gras en conserve, des choses comme ça, qu'il emmène chez lui à la maison. Le plus difficile ici, c'est avec mon chariot, c'est de passer. Il y a du monde, les rues sont petites, enfin les trottoirs sont petits. Pardon, madame. L'histoire de ce petit chariot, c'est... D'abord, ça fait très longtemps qu'on l'a. Ça doit faire à peu près, à mon avis, 6-7 ans. Et un jour, évidemment, Elisabeth, comme moi, j'étais tout le temps au boulot, elle allait faire les courses pour la maison et porter les bouteilles d'eau et tout. Un jour, elle me dit, j'ai vu des plein de dames qui tiraient des caddies comme ça, des caddies dans la rue, et j'ai envie d'en acheter un. Mais tu sais où est-ce qu'on achète ça? Je ne sais pas. Tu vas trouver ça dans un supermarché. Et puis elle m'a dit, bon, moi je vais me débrouiller, je vais trouver. Et puis une heure après, elle est revenue avec ça. C'est une tuerie ce truc-là. Tout le monde nous demande. Il y a des gens même qui touchent et tout. Voilà, tu vois là. C'est Elisabeth ça. Il n'y a que elle pour acheter des trucs comme ça. Voilà, ça c'est le fromager là que je parlais là. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Les choux verts ? Dites-moi, je viens de la part de Jean-Daniel. Très bien. Et il m'a dit de venir chercher la moutarde des pompiers, vous en avez, il m'a dit. Oui, top du top. Alors montrez-moi ce que vous avez. Je peux aller là-bas. Ah bon, alors on y va. Alors ici, c'est un super marchand de légumes, il a des produits d'exception. Non, ne me faites pas ça. Mais si. Oh non. Mais si, j'ai tout vendu cette semaine. C'est pas possible. Il me reste celle-ci au poivre vert. J'ai celle-là aromatisée au cognac.
Et voilà. Non, j'en ai plus, j'en aurai la semaine prochaine. Oh merde. Non, j'en ai plus. Je peux pas vous proposer autre chose, c'est vraiment. Non, je voulais quelque chose. Oui, je voulais quelque chose de. Elle déménage. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle a un goût exceptionnel. Et après, elle déménage. Non, la moutarde des pompiers de Meaux, elle est vraiment très relevée, elle est vraiment en goût et tout, c'est vraiment exceptionnel comme moutarde. Mais j'ai tout vendu. Oh, ouais, c'est pas grave. Désolée. Voilà. Bonne journée à vous. Vraiment, je suis déçu parce que je voulais lui ramener cette moutarde. Et en plus, c'est une vraie histoire. C'est que c'est une moutarde artisanale, une moutarde de Meaux, qui a un goût exceptionnel et qui en plus est très très épicée. Donc, comme les Américains mangent très épicé, ça commence à venir chez nous, mais bon, les Américains ont une éducation un peu comme les Mexicains, donc évidemment, il y a un mélange de cultures. Et Sach mange très épicé, très très épicé. Il adore. Mais bon, je vais trouver une solution de rechange. Je vais lui prendre de la moutarde forte de Dijon. La dernière fois, je lui ai acheté ça. Et après, il m'a envoyé un petit mot. Il m'a dit qu'elle était géniale. Donc, je vais trouver cette solution-là. Mais bon, je suis quand même déçu parce que c'était un truc nouveau. Et bon, c'est pas grave. Pendant que Gilles fait ses courses, Elisabeth, elle, déjeune avec une amie artiste dont elle expose fréquemment les toiles au restaurant. Servi avec les figues parfumées au sésame et au citron confit. Également le turbo. Il y a la même chose. Ça, c'est un purée de pommes de terre avec le basilic. Ah, super! Et nous aussi, tu as la même chose? Également. Parfait. Une purée de basilic qui accompagne vos plats. Mmh. Vous souhaitons bonne continuation. Merci, Maxime. Tu es content? Parfait. Et normalement, c'est fait rosé. Hein. Il est rosé. Ok, parfait. Bon appétit. Hein. Merci. C'est bon. Hein. Mais vous devez goûter ça aussi. Parce que là, l'artichaut est... C'est mon ami Andrew Comelli. C'est en fait mon artiste ici à cette étoile. J'adore qu'est-ce qu'elle fait. Et ça, c'est son copain, le copain de Anne, Romain. Et Romain, il y a une galerie d'art. Et je trouve l'art de Anne, c'est tellement calme et zen. Il vient vraiment avec la cuisine de Gilles. Parce que c'est juste beau, c'est simple. Et j'adore. Elle aussi, c'est tombé bien. C'est un chef, c'est un artiste. Hein. Les artistes, ils sont compliqués. Mais je comprends pourquoi il y a plein de choses dans sa tête. C'est difficile de gérer un restaurant. Il y a les employés, ils pensent, moi, j'allais le boulot facile parce que moi, j'arrivais là, 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 là. Oh, salut, comment allez-vous? J'ai fait le service. Mais non, mais je donne tout avec mon cœur quand je fais le service. En fait, je pense que Gilles, il sait très bien, je fais plein de choses. Mais je ne sais pas pourquoi. Évidemment, il dit à tout le monde, Elisabeth, elle est incroyable, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Mais honnêtement, il oublie pour dire merci à Elisabeth, merci Lizzie. Et je comprends, il y a autre chose. Mais je pense que chaque femme, elle aime bien quand son mari dit « Thanks a lot ». And I think everyone needs to be told merci. Tout le monde. Moi, je dis à lui chaque matin, quand j'arrivais, je donne lui un bisou, je dis je t'aime. Je veux lui, il a envie de faire ça pour moi aussi. Mais les hommes en général, ils oublient des choses comme ça. I think. Lui, c'est vraiment. C'est ma vie. Lui, c'est vraiment ma vie. Christine, I'm so happy you're here. Quand je te dis que c'est une œuvre d'art, ça, non mais ça c'est. Pour madame, servie sur le crumble passion avec son sorbet ananas rôti. Ok, et avec le caramel, il y a le fruit de passion. Ça, c'est le simple sorbet, mais c'est pas très simple. C'est magnifique. Oh, it's amazing. Oui. Oh, it's amazing. Oui, c'est ça. Isn't that amazing? Wow. Et tu mets la glace, il met la glace ça, dedans. Ouais, ça c'est que c'est... Elisabeth est une passionnée d'art.
Dans l'après-midi, ils se retrouvent tous à la galerie pour sélectionner des toiles qui seront peut-être exposées au restaurant. Salut ! Oh, j'adore. Oh, c'est beau. They're beautiful. Oh, wow. Wow, Anne. This is Florida, right? And this is California over here. C'est ça qu'on veut dans l'attraction, c'est de se projeter ton imaginaire. Ouais. Tu vois dans ces tâches les formes que tu veux. Tu peux imaginer Absolument. Des œufs, tu peux imaginer des monstres, tu peux imaginer ce que tu veux. Ouais. Là, ici, par exemple, là, il a versé beaucoup de pigments et il joue comme ça avec ses, propres, avec ses mains. Et les traces que tu vois ici, c'est les doigts qui ont frotté la toile. Il fait cette série de tableaux, il fait ici, or il fait. À Californie, en New York. À New York, dans son atelier. À New York, il a un grand atelier. Ah. Et il dispose comme ça ses toiles au sol. Il y en a plusieurs. Et tu déjà regardé lui quand il fait la peinture? Bien sûr. Ah, tu es allé à New York pour regarder quand il travaille? Oui, bien sûr. Oh, ça c'est cool. Hein. Merci. Donc, honnêtement, c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc c'est un citrus artiste? Si ta femme a des décors avec ça. Gilles a enfin terminé ses courses. Et il semble satisfait de ce qu'il a trouvé pour son ami Slash et le reste du groupe. Je leur ai acheté des petits cornichons parce que ça n'existe pas aux États-Unis. Des petits picos comme ça, entre que des gros trucs qu'on met dans les burgers et tout. Je leur ai acheté du pain de campagne, je leur ai acheté des saucissons, des saucisses sèches, du chorizo. Voilà, j'ai acheté du jambon comme ça, j'ai acheté du saucisson sec, voilà, des saucisses sèches comme ça. La moutarde forte, j'ai trouvé une moutarde forte comme ça, de Dijon. Hein voilà, du bœuf séché là. Je sais qu'ils aiment bien ça. Et j'ai acheté ça parce que ça, c'est mon. C'est en fait du riz au lait. C'est mon dessert favori. Moi, j'ai une addiction au riz au lait. Et je mange au moins 2-3 pots par jour. J'en ai acheté pour Slash pour qu'il goûte. Mais enfin, bon, ils vont tous goûter. J'ai 8 petits pots. On y va. Gilles arrive au Zénith. Il doit assister en privilégié au réglage son avant le concert de ce soir. Il en profite pour apporter ses courses à ses amis. Là, on vient d'arriver au Zénith, là, à Paris. Et puis, les garçons, enfin, le Slash et son groupe, sont en train de répéter pour ce soir. Et moi, je leur ai amené voilà, leur petit casse-croûte avec les produits que j'ai achetés ce matin. Je sais que ça va lui faire plaisir, même si il fait attention en ce moment à ce qu'il mange. Je sais que le riz, voilà, c'est du rice pudding. C'est du gâteau de riz là, que je lui ai ramené, il va se régaler. On traite des artistes alors. Hein? Pas de bruit, hein? Pas de bruit, pas de bêtises. Here we are. How are you? Good, how are you? Good. Huh? How are you? How's the t-shirt? Good? It's good, yeah. It's cool. I gotta get up there though. Okay. En fait, ça c'est le côté où Slash joue, il joue toujours à gauche de la scène. Donc là, ils vont faire leurs essais de son pour monter tranquillement. Ça va être cool. On a la chance d'être là, il n'y a personne. On est les seuls spectateurs. Génial, non? Là, ça envoie du lourd, là. Ça, c'est vraiment les essais, c'est la préparation. C'est un peu fort. You seem good. Sorry? You seem good? Oh yeah. Oh yeah. Definitely. How about you? Okay. That was so good last night. Really?
Lizzie gave me a new t-shirt for you as well. A t-shirt? Yeah. Is this yours? Yeah, of course it is. Là, je portais le t-shirt que je lui ai offert hier soir, mais je pense qu'il va jouer avec ce soir. Non seulement je suis fourni de panier, moi, mais en plus je suis fourni de t-shirt. Beaucoup, beaucoup de t-shirts qui portent sur les concerts. C'est en général moi ou Elisabeth qui les a... Voilà, on lui trouve des t-shirts et soit on lui envoie par la poste ou quand il vient à Paris, on lui donne et il les met. Il a chez lui une pièce remplie de t-shirts et de vêtements de Perfecto, tous les vêtements de scène et tout. Et moi, quand je vais à la maison, je vais dans les t-shirts et je prends les t-shirts que j'aime bien. Where's Junior? Where? Hey Junior, I have the food. Okay, let me. So this is the rice pudding. You're gonna put that in the fridge, okay? You want the I'll take it out. You can put it in the fridge. Yeah. You want the bath? No, thank you. And show me the meat. Our Junior can take it. You want to see the meat, right? You want to see the meat? All right. Nice. Some sausage. See, I got you a knife, you guys, because. Sasha, you need a knife to cut it. And some bread, mustard, okay. Pickles, you know the teeny one. All right. Okay. We are a feast. And something very good. This ham came from Spain. All right. So let's put that in a bus. Thank you very much. Let's put it in the bus right now. Do it. All right. And then you're gonna have a good time. Eat like a champ. Ouais. C'est Junior qui est responsable de mettre tout au frais et surtout de que personne mange avant que voilà, qu'il tape pas dans le panier avant que qu'il arrive. Oh, il est là, Junior, rien, motherfucker. C'est good, isn't it? It's delicious. I love the French cuisine. No, it is delicious. And I love the way Joe cooks and he treats us very nice. Always comes with gifts, sausages, and his restaurant. And to me, it's very delicious. I just tell him, whatever you want to make for me, I'll enjoy. Voilà, il a commencé à taper dans le panier. So I see you in a few. I see you in a few. Okay, so I have to bring the bottle of champagne. You have to bring, I'm gonna bring the bottle of champagne for the girls tonight. We don't do... Shit, I don't know what I did, man. I fucking... Le concert va bientôt commencer. Le public arrive. Toute la famille Épier s'est donné rendez-vous devant la célèbre salle. Reynald, le fils aîné, des amis, mais aussi Olivier, leur second fils, qui est un grand fan de Slash. C'est surtout le derrière qu'il faut voir. Get in the wing, Lizzie, let's go get a ticket, please. Thanks. Merci, c'est gentil. Merci. Et ça, c'est pour le after show. J'ai un after show pour tout le monde en plus. Cool, hein. Merci, c'est gentil. Everyone's got an after show ticket. That's great for everyone. The after show, you know, we get to go backstage and the meet and greet. Good thing we had you here.